Salut tout le monde, comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine SkinCeuticals, mais c'est pas tout. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, ça sera pas moi le testeur de produits SkinCeuticals, mais ça va être vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous offrir la possibilité de tester à votre tour deux produits de la marque SkinCeuticals de votre choix. Et il y a trois personnes d'entre vous qui pourront tester les produits et m'en parler parce que je souhaite vraiment avoir un retour de votre part concernant les produits. Je commence tout de suite par vous présenter ma routine, comme ça peut-être ça vous donnera des envies, des idées par rapport à votre routine à vous. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour savoir comment remporter ces deux produits et comment faire partie des trois personnes gagnantes pour ce test. Alors en termes de nettoyant, ce que j'utilise le matin, c'est le Soothing Cleanser. Donc c'est le nouveau format, c'est une mousse nettoyante qui apporte du confort, qui est aux extraits botaniques aussi, qui va permettre à la peau vraiment de maintenir l'hydratation, de maintenir un confort et qui est très adapté aussi pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Donc ce produit-là, je le teste depuis pas longtemps parce qu'il vient remplacer mon lait nettoyant que j'avais dans la même marque. Je l'aime beaucoup, la texture est hyper agréable, c'est une texture fine, qui est onctueuse à la fois, qui nettoie bien la peau, qui laisse pas du tout une sensation d'inconfort. Donc je valide vraiment ce nettoyant, j'aime de plus en plus les formats comme ça, les formats moussants. Parce que premièrement c'est très pratique, ça permet d'aller vite, la mousse se masse bien sur la peau, c'est très agréable. Et aussi on a cette sensation de fraîcheur et de pureté après avoir nettoyé sa peau. Donc ça vraiment je valide si vous aimez ces textures-là. Sachez qu'il en existe également d'autres dans la marque selon votre type de peau et selon vos envies. En lotion, ce que j'utilise avec un coton par la suite, après le nettoyage, c'est l'Equalizing Toner. Donc c'est une lotion qui va resserrer les pores, elle est sans alcool, elle est faite vraiment pour tout type de peau qui cherche vraiment à resurfacer, resserrer les pores et lisser le grain de peau, mais aussi plus particulièrement pour les peaux mixtes à grasse qui cherchent à équilibrer un petit peu l'excès de sébum, à tonifier un petit peu la peau et lui apporter du confort et préparer la peau à recevoir les soins suivants. Donc ça vraiment j'aime beaucoup. Sur les pores ça agit vraiment bien je trouve, elle est vraiment efficace. L'avantage c'est qu'elle est sans alcool donc elle va pas non plus agresser votre peau, c'est pas super quand vous avez de l'alcool à l'intérieur. Si vous cherchez une bonne lotion qui va être complète et qui va resserrer les pores, ça. Ensuite, mon premier geste beauté santé, j'aime bien dire ça parce que c'est un petit peu le cas, c'est l'antioxydant que j'ai adoré, que j'ai terminé. D'ailleurs, celui-là est vide, j'en ai un autre dans mes placards. C'est le Floretin CF. Donc, c'est un concentré de vitamine C, de floretine et d'acide férulique. C'est l'antioxydant qui est parfait pour les peaux mixtes à grasse. Sa texture est légère. Les concentrations sont faites vraiment pour. Il est d'une efficacité incroyable sur l'éclat, sur les taches. Ma petite tache que j'avais là, elle s'est vraiment atténuée, je trouve. Il agit sur l'homogénéité du teint, donc il prépare vraiment votre peau, il préserve votre peau de tout ce qui se passe en extérieur, donc tout le stress oxydatif, tous les radicaux libres, l'environnement, la pollution, etc. C'est un préventif anti-âge ultra ultra complet et essentiel pour moi maintenant que j'ai pu tester ces produits-là. C'est la première étape avant mon sérum, je mets toujours un antioxydant, donc 4 à 5 gouttes sur l'ensemble du visage, sur le cou et sur le décolleté. Pour moi, c'est l'élément essentiel de ma routine, c'est le Floretin CF. Alors il existe bien évidemment, si vous êtes intéressé par ce produit-là, pour les trois nouveaux testeurs, si vous êtes intéressé par ce produit-là, par l'antioxydant, sachez qu'il en existe vraiment plusieurs. Et à ce propos, pour ceux et celles qui seront choisis parmi les trois nouveaux testeurs, les trois gagnants pour tester ces produits-là, vous aurez également les conseils de SkinCeuticals et les miens si vous avez envie pour faire votre choix si jamais vous n'êtes pas décidé. Voilà, donc ça c'était l'antioxydant chouchou de tous les temps. Ensuite, je passe au sérum. Donc j'en ai trois que j'utilise, alors pas tout le temps, il y en a un que j'utilise tous les jours maintenant, donc tous les matins, et deux que je garde si jamais j'ai un petit problème de peau qui survient, ou si j'ai envie de changer un petit peu, de donner un petit peu un concentré d'actif à ma peau qui est autre que ce que j'utilise tous les jours. Le premier, c'est le HA Intensifier, donc c'est le sérum à l'acide hyaluronique, c'est un concentré d'acide hyaluronique avec du proxylane à l'intérieur. Donc l'avantage de ce produit-là, alors moi c'est un réel coup de cœur aussi. Il est, vous voyez, de cette couleur-là. Il est un petit peu foncé parce que vous avez de la réglisse à l'intérieur. Quand on l'utilise ce produit, moi dès que je l'applique, à chaque fois ça me le fait, j'ai l'impression que ça vient faire un effet Photoshop sur ma peau. Ça vient lisser, ça vient repulper. Ça va pas
resserrer les pores, mais c'est que ça repulpe, en fait, ça regorge votre peau en acide hyaluronique, donc en eau. Et votre peau, elle est vraiment beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus rebondie. Et franchement, pour moi, c'est un indispensable aussi. C'est un sérum multifonction en fait qui est là pour redensifier votre peau, la repulper et avoir une action anti-âge visible. Donc ça vraiment, ça fait partie de ma routine du matin après mon antioxydant. Et sinon, j'utilise soit le Blemish Edge Défense, donc celui-ci, si jamais je vois que j'ai des petites imperfections qui ressortent ou qui j'ai un petit bouton. À vrai dire, je l'utilise pas trop celui-ci parce que depuis que je fais cette routine, honnêtement, je n'ai plus du tout de bouton. J'ai plus aucune imperfection. S'il y a un petit bouton qui sort, il est éradié de ma peau, mais en un rien de temps, grâce, je pense, aux antioxydants, parce que ça agit également sur tout ça. Ça évite votre peau de s'oxyder, donc ça évite de faire des comédons, ça évite de faire des points noirs. J'ai plus de points noirs non plus. Donc celui-ci, je le garde plus pour l'été. Ça permettra aussi de rééquilibrer un petit peu l'excès de sébum, de pas avoir de boutons de par l'excès de sébum, et de traiter les imperfections et le côté anti-âge aussi, parce que ça resurface un tout petit peu la peau. Donc celui-là, je l'utilise un peu moins, mais c'est bien de l'avoir aussi dans sa routine. Si jamais vous avez voilà une peau qui a tendance à faire beaucoup de boutons, des imperfections, des irrégularités, les pores dilatés, une peau grasse. Celui-là est très bien aussi. Et ensuite, j'ai le phytocorrectif. Donc, c'est un petit peu la même gamme que le phytocorrectif masque. C'est la gamme hydratante anti-irritation pour les peaux sensibles, qui apporte du confort, qui apaise. Donc, il est bien parce que quand j'ai la peau qui est un petit peu agressée, alors en ce moment, il fait beau, mais quand il fait froid ou quand la peau, elle a rougi par rapport au soleil, ou on a pris un petit coup sur la peau alors qu'on n'aurait pas dû, ou on n'a pas mis son SPF, on met ça le soir, ça apaise aussi. Vous pouvez faire ça plus votre masque, c'est encore mieux parce que ça agit en profondeur et ça aide justement au masque d'agir encore plus. Si vous voulez encore plus d'efficacité, moi ce que je fais de temps en temps, c'est que je mets quelques gouttes dans mon masque phytocorrectif masque. Ça lui permet d'être encore plus efficace, encore plus concentré et d'agir encore mieux sur votre peau, donc ça aussi je valide. Ensuite, je mets ma crème de jour, donc c'est un fluide, c'est une émulsion, le Metacel Renoval B3, donc c'est celui-ci que je vais bientôt terminer, je l'ai remplacé par une autre crème de la marque. Je vous en parlerai parce que je ne l'ai pas encore testé. Celle-ci, je trouve qu'elle est hyper efficace parce qu'elle est légère, elle permet d'hydrater la peau. Il y a eu une période où elle n'était pas suffisante pour moi, donc c'est pour ça que j'avais en contrepartie la crème qui sera un peu plus nourrissante, un peu plus hydratante, un petit peu plus confortable. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle va agir vraiment sur tous les signes de déséquilibre un petit peu de la peau. Donc elle va hydrater, elle va agir sur l'élasticité de la peau, elle va rééquilibrer, elle va agir également sur les petits défauts de coloration de la peau. Donc elle vient compléter vraiment les sérums et les antioxydants. C'est une texture qui est légère aussi, vous avez des niacinamides à l'intérieur. Donc vraiment j'aime beaucoup, mais il me tarde maintenant d'essayer l'autre parce que je pense que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de confort. Le contour de l'œil AOX Eye Gel, donc c'est le contour de l'œil que j'utilise depuis des mois. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que je suis... ça fait 3 mois, je crois, que je l'utilise. Et il y a 15 ml dedans et je ne l'ai toujours pas fini. Donc pour vous dire que ça dure super longtemps, c'est un contour de l'œil qui est très efficace parce que vous avez 3 antioxydants à l'intérieur, donc qui agissent vraiment sur les signes de fatigue, sur les signes du vieillissement, du contour de l'œil. C'est très important parce que je le dis à chaque fois, mais cette zone-là, c'est la zone la plus fine du visage, y compris le contour des lèvres. Donc ça marque en premier, ça marque plus vite. Donc il faut utiliser des produits adaptés sur ces zones-là. Rien à dire, hyper efficace, je l'adore. Il est très agréable à utiliser, il se fond bien au niveau de la peau. Il n'est pas trop épais pour moi parce que moi, quand c'est trop riche, ça me fait des grains de milium, donc c'est juste l'horreur. Là, c'est vraiment le contour de l'œil parfait. Si vous avez un contour de l'œil qui est un petit peu délicat comme moi, qui marque facilement si on met des textures épaisses le soir, moi le matin j'ai des yeux comme ça, donc c'est pas possible. Donc voilà, rien à dire, hyper économique parce que je vous dis, ça fait 3 mois que j'utilise, c'est du 15 ml et j'en ai encore, donc et j'en ai encore un aussi en stock qui m'attend parce que je peux pas faire sans, c'est pas possible. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et pour finir, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est le Resveratrol BE, donc c'est mon antioxydant, ma crème de nuit, je l'utilise seul, donc c'est un gel sérum. Le Resveratrol, c'est un antioxydant qui n'aime pas du tout la lumière, donc c'est pour ça qu'il est dans ce flacon très très foncé.
Vu qu'il n'aime pas la lumière, il faut l'utiliser la nuit. C'est un antioxydant qui est très concentré. C'est une combinaison de plusieurs actifs qui font que le matin, on a une peau qui est lisse, on a une peau qui est éclatante, on a une peau qui n'est pas marquée par les signes du vieillissement de la peau ou par les signes de fatigue. Moi, ça suffit, j'ai pas besoin de mettre autre chose. Quand j'ai besoin d'un peu plus de confort, je rajoute une crème par-dessus. Mais honnêtement, il vaut mieux le laisser travailler seul, faire son job, parce qu'il le fait très bien. Et voilà, donc c'est la gamme préventive aussi, la gamme Prevent. Donc c'est la dernière étape de soin que j'utilise en routine matin et soir. Donc dans cette vidéo routine SkinCeuticals, je vais vous donner l'occasion de pouvoir tester deux produits de votre choix dans toute la marque. Et ceci pour trois personnes. Alors c'est très simple, c'est rien du tout à faire pour vraiment avoir des produits d'exception à la maison. Pour participer à ce test SkinCeuticals, c'est très simple. Il vous suffit premièrement d'être abonné à ma chaîne, deuxièmement de liker cette vidéo et troisièmement, il vous suffit de me laisser en commentaire les deux produits de votre choix que vous avez décidé de tester et à ce moment-là, il y aura un tirage au sort qui sera réalisé. Trois gagnants seront contactés en commentaire puis par mail et recevront les produits à la maison. Voilà, donc comment vous dire que je suis hyper content pour vous de pouvoir tester la marque SkinCeuticals, comme ça vous pourrez comprendre mon enthousiasme face à la marque et aux produits et à ma routine. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu et que cette surprise vous plaît également. Donc je vous laisse mettre votre commentaire, liker la vidéo et vous abonner. Je vous retrouve plus tard, je vous retrouve le 28 pour le tirage au sort. Gros bisous à tous, bye.